Notre ami Yves Michaud me manifeste le désir de prendre la parole pour vous dire quelques mots. Oui. Je vais choquer vos prudes oreilles en vous citant en anglais. Une phrase de Winston Churchill. En parlant des pilotes de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, in the history of mankind, never so many will own to so few. Dans l'histoire de l'humanité, jamais autant un si grand nombre de personnes n'auront été redevables à si peu. Quand je pense à Bernard, je l'ai connu il y a 20 ans, au moment presque de la fondation de Vigile. Il y a eu deux quotidiens indépendantistes dans l'histoire du Québec. Le premier écrit, de la presse écrite, le jour où nous serons maîtres chez nous, que j'ai fondé avec René Lévesque et Jacques Parizeau. Après, il y a eu le deuxième quotidien indépendantiste. Le jour a duré pendant 2 ans et demi. J'ai fermé le jour et 3 mois après, en 1976, le Parti québécois prenait le pouvoir et dirigeait les affaires du Québec avec René Lévesque. Dans la Marseillaise, on dit nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. J'ai 82 ans et demi. Les enfants comptent comme ça, hein, j'ai 10 ans et demi. Et plus on avance en âge, et plus on, le temps nous est compté. Alors, j'ai toujours eu, pour Bernard Frappier, que j'ai eu il y a 4 jours au téléphone, sa voix était assurée, et lui-même m'a appris, je l'avais eu en quelques conversations, qu'il passerait bientôt dans ma gauche. Ça a été avec un grand Québécois, c'était un grand Québécois, je suis inconsolable de sa disparition et j'espère qu'à travers ses fils et tous ceux-là qui militent pour l'indépendance de ma patrie, que nous continuerons à travailler ensemble pour un Québec enfin libre. Merci. Alors.